Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arc PVP Tribu, la guerre des alliances, jour 6, épisode 12. C'est clair et net, c'est la guerre absolue. Là, tout le monde veut venir nous casser la gueule parce qu'on a clairement réussi à les convaincre qu'on était les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, que c'était tous des noobs et qu'ils avaient la crotte au cul devant nous. Donc, il a fallu que ça pour les convaincre. Et pour pas vous mentir, ça a mis un petit peu de temps. On a dû attendre une heure à peu près le temps qu'ils se décident à venir. Et là, ça y est, on est prêt. Ils arrivent, ils vont nous raid et on va voir ce que ça va donner. On va voir un peu quelles sont leurs forces, quelles sont les nôtres, nos pods, nos défenses, est-ce que ça a été utile? Et la guerre est partie, je vous laisse avec l'épisode, likez, abonnez-vous, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, hein, pour avoir vos réactions, c'est quand même intéressant de savoir si ça vous plaît ou pas, tout ça. Donc, je vous laisse avec les images, régalez-vous, tchuss. Ça commence, ouais. Je tire dessus. Vas-y. Dégage. Il est en haut. Il y a une Wyvern aussi. Vers Red. J'ai crash. Oh non. Bon, ok, ils sont barrés. Je les ai criblés de balles. Ça a fait demi-tour. Ils sont de quel côté? Ils étaient quand tu auras de la plage à gauche. Enfin l'obélisque à gauche. En fait ils ont trop cru qu'on allait les laisser nous raid en fait. Ah non mais je pense qu'ils savent qu'on va se défendre quand même. Enfin j'espère hein, parce que. Comment ça se fait que par escalier il est wait. Pas... Wait. Le mec il me dit wait, il atterrit sur mon île, il dit wait. Mais non pas wait gros. Non mais mec... 5 minutes, on s'installe, on sort tous nos dinos... Ça arrive. Ah oui ça va. Aïe. J'ai touché un. Non c'est moi. Ah c'est toi. T'es sérieux là? Non c'est rien. Bah c'est pour te montrer que voilà, au snipe je rigole zéro. Je t'ai dit... Je vais poser du spam. Bah, je sais pas, moi j'ai vu juste deux mecs courir à... Tu crois vraiment que deux mecs vont rush comme ça là? Ah je sais pas, hein, moi je vois un mec courir vers le pod. Campé, je crois. Y'a une Wyvern qui arrive. Ah, putain, au moment où je crois que l'inférieur... Elle est où? Y'a Mana aussi, ils sont ça, en face. Ça ou ça? Ça fait péter la tourelle. D'accord, c'est stable. Ouais, je vois. Et là, ils veulent qu'on attende encore ou... Donc, ils ont pas de le mana. Quoi? Oh putain. Bon, mais les gars, je re... Vas-y, à tout. Ça marche. Putain. Je sais pas ce qu'ils font. Je les vois pas, moi. Ils sont en fond de l'île, en fait. Le mana. Ouais, ils doivent je le vois. Et un pod. Allez, hop. JFK. Je vois le mana. Ah, je le vois plus, le mana. Il a crié. Non, je tire dessus sur le mana. Ah, bah, ma range elle est pas assez grande alors. J'arrive. Oula, elle commence pas par les roumains avec moi. Oh, j'ai touché un truc, je sais pas ce que c'est. Ça me tire dessus, je crois. J'en ai touché un. Encore. Ça court dans tous les sens, ils sont plusieurs. Hein. Plusieurs, genre deux ou... Minimum deux. Parce que deux, c'est sûr. Mais normalement, ils ont pas le droit d'attaquer à plusieurs tribus, donc... Il y en a un, t'es sûr? Non, mais c'est deux personnes, hein, pas deux tribus. Ouais. C'est vous qui tirez? Mais comme ouais, dit qu'ils sont deux minimum. Ouais, ils sont deux minimum, ouais. Non, mais deux tribus, minimum. Ouais. Non, deux joueurs. Non, deux joueurs. Deux joueurs, pardon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il enlève nos trucs? Ouais, il pète nos... Il pète nos fondas. Il y a un gars au sniper là-bas. Sur la Wyvern. Ouais, mais c'est trop chaud à toucher. Non, de ouf. Oh, ils ont posé un truc de ouf là. Ouais, ils ont posé un truc tech. Ah, d'accord, ils mettent carrément du tech. Un bouclier tech. Bon, ça va vous? Ouais, non, mais je te dis, c'est des cheaters. Hein. Faites gaffe, bouger en permanence. Si ça se trouve, ils vont au snipe en. Du coup, ouais. Là, s'ils sont derrière leur bouclier tech, on peut pas les toucher, non? Attends, là, ils ont un bouclier. Ouais, ils ont un bouclier tech.
Il est bizarre. Bizarre pas, c'est comme ça un bouclier. Non, c'est pas un bouclier. C'est pas un bouclier. Attends, tu disais toi là. Putain, mais je les vois pas quoi. C'est... Ils sont trop petits les joueurs dans ce jeu. Ouais, ils ont créé au pod une viverne. Ils en ont pris une ou ils en ont rajouté une? Non, non, ils ont créé. Ils ont créé la okay. Créopode. Mais la viverne, pour plus que. Pour pas qu'ils tirent dessus. Ouais, parce que j'étais en train de shoot dessus. Oh, en plus, pile poil pour raid, il fait nuit quoi. Oh, quel enfer! Ouais. Et puis le poil, quand on se fait raid, il y a un sac qui part. Ils ont sorti une Reaper. Attends, ils ont sorti une Reaper là? Ouais. Où? Ils ont même mis une tourelle. Ouais, ils ont mis un transmetteur. Ah bah oui, d'accord, oui, oui, forcément pour transférer. Ouais, les... Bah oui, d'accord. Ok, il me tire dessus. J'ai vu une balle qui est passée tout près. Ah, j'avoue, il fait nu quoi, c'est terrible. Là-bas, il y a des gars là. Ouais, la Reaper est en train de tanker la tourelle. Okay, ah, mais il y a un gars sur la Reaper. Faites gaffe, il tire au snipe, hein. Planquez-vous. Ah, je... Ouais, ils m'ont cassé mes gants. Moi, j'ai touché le gars. Je sais pas si j'ai touché. Ah, j'ai touché du 73. Je sais pas si c'est le gars ou la Reaper. Je pense que c'est la Reaper. Il m'a touché. Il y a un gars qui m'a touché. J'ai ouais, faites gaffe au snipe, hein. Ouais, ouais, je bouge. J'ai retouché le mec. What? Je suis mort, je sais même pas comment. Genre le gars il pouvait pas me toucher de là où j'étais. Hein. J'étais derrière le pod, il pouvait pas me toucher. Ils sont plusieurs joueurs. Donc il y a moyen qu'il y en ait un autre qui nous tire d'ailleurs. Non mais j'ai... Et c'est Joker hein, qui m'a tué, c'est celui qui est au transmetteur. Ok. Le gars sur sa... sur le Reaper, il peut pas tirer. Ah il peut pas tirer, ok. J'essaie de buter le mec sur sa Reaper mais c'est impossible. Ouais, moi aussi j'essaie de le toucher, mais je crois que je lui ai mis du 70. Ah, c'est... J'arrive pas à le toucher, quoi. C'est trop dur. Mais what? J'ai le viseur sur lui. Ah, ça y est. J'ai fait 11 de dégâts là, sérieux? De quoi la Reaper? 70 selon mon mec. Ouais. Attends, et si je fais ça là, la Reaper? Bah, est-ce que peut-être j'allais lui envoyer un coup de roquette dans la tranche. T'es mort, Sarki? Non, non, du tout. Juste aller réparer un truc. Ah. Même derrière, j'ai plus 32 stuff à faire. Ouais, j'ai plus de stuff en plus. Merci, Joa. Désolé, c'est l'habitude de fermer la porte. Mais t'es pas mort, il t'a pas pris ton stuff le mec? Non, non, je suis derrière le pod, il peut pas venir. Hein. Ah, moi c'est mort, je suis trop long. Allez, tiens, je te remets 600 balles, mon pote. Bon, en fait, c'est ça l'avantage du trike, c'est que tu peux pas tirer sur le joueur. Genre, il est bien planqué derrière le truc. Faut être sur le côté pour le tuer, mais c'est chaud, hein. Il y a des toiles qui tirent pas. Hein. Faut ramener des balles, les gars. Je l'ai mis dans quelle tourelle, Tug? Bah, celle sur le pod qui tire là. D'accord. Allez, casse-toi. What? Il est à côté là, non? Ouais, y'a un mec au snipe qui nous tire dessus, je sais pas où. Je sais pas où il est. Ouais. J'ai remis des balles, du coup. Mais là, c'est un peu dangereux pour un mec, du coup, si on se fait shooter. Si on se fait ouais, shooter. C'est ça en fait, parce que j'ai commencé à en mettre, mais ouais. Je voyais qu'on se faisait shoot. J'ai pas du tout d'où il tire, quoi. Il pourrait être tellement n'importe où. Et je l'ai spoté, je crois. Oh, le mana garde. Ouais, c'est le mana là. Ouais, je l'ai vu.
Il court, il se casse. Le tireur. What? Pourquoi il y a des trucs, des trucs qui tirent dans la... Ah, c'est toi. C'est moi qui tire jusqu'au manin. Ok, je vais mettre des balles. Ok. Ok, ça tire sur moi. Ouais, nickel. Ah d'accord, en fait ils ont un griffon là-haut. Oh les bâtards, je les ai pas vus. Ils sont en hauteur. Ouh. Avec le griffon. Ok. Ah voilà, Alliance vs Deman. Oh d'accord, ok, juste des spectate en fait. Non, c'est genre c'est Renaudo mais Drake. Ouais. Non, en fait, oui, si, il tire bien du griffon. Mais Il y a des dégâts dans les escaliers, c'est qui? C'est moi. J'ai pris une balle. Oh. Je l'ai pas pris sur le griffon. Ah oui! Ah ouais. Allez, tiens, mange le griffon. Non, mais c'est des Français, hein. C'est Renaudo et Drake. Ouais, mais genre, on est en train de se faire raid, donc ils se cassent. Surtout qu'ils ont pas été forcément. Très gentil avec nous en disant qu'il voulait nous raid et nous tuer. Je vais me refaire une armure, je vais ramener des balles. Voilà, il va aller tanker les. Ouais, voilà. Ah, il s'est mis ça, en position. Il essaye de tanker les balles. Offensive. Comment regarder de l'autre côté si jamais. Mais... Tank de ouf, hein. Ouais, j'aurais de côté, je check. Ok. Je le touche parce qu'il bouge à chaque fois son angle. Ouais, moi j'arrive pas à le voir. Hein. Moi je le vois de là où je suis. Là, il est derrière le coup de la Reaper, je le vois pas. Il a une armure de bâtard. Hein. Je lui mets du 38 à lui. Je suis plus en haut, j'essaie de. Mine. Ouais. Je suis plus en haut, j'essaie de prendre un autre angle pour le tirer dessus. Ouais, elle saigne sa Reaper. Attends, elles ont plus de balles là? Déjà? Oui, il est hors de portée. Non, je crois que c'est juste qu'il est hors de portée. Ouais, parce que ouais, il a peur de crever en fait. Elles avaient pas 3 milliards de balles. Hein. Ouais, si. J'ai buté! Oh, GG! Nice. Faut la fumer la Reaper là. J'allais y aller à la roquette, allez-y à la roquette. Vas-y, fume-la. Attends, je suis tout en haut. Moi. Parce que là où il était, on aurait pu aller la roquette. Tu veux que j'aille récupérer son stuff ou pas? Ouais, il est dans l'eau. On s'en fout, il faut aller le récupérer. C'est pas grave. Starkey, les portes, fais gaffe. Ouais, pardon. Ouais, y'a un mégalodon qui est en même temps en train de le becter. Ah bah, qui se régale, hein. J'ai presque plus de balles, moi. Ah mais attends, mais les galons ils sont en train de becter. Attends, je vais essayer. Alors attends. Arrête de becter toi. Ok, il avait Vas-y, sors vite, je vais le rocket. Ouais. Ah bah le mégalodon il bouffe la Reaper. Mais j'ai deux Enfin. Oui, ils sont costauds les mégalodons, hein, ils veulent pas mourir. Ah hein. Ouais. Bon bref, en tout cas il avait un stuff en chitine en mythique. Bien. Mais j'ai pas eu le temps de récupérer parce que le mégalon il a becté en fait le stuff. Enfin le cadavre. Okay. T'as tout pris ou mais pas? Mais en tout cas il avait pas tout le stuff en fait, il avait que les gants je crois. Bon dis quoi ton gant. Elle a quand même PV ce Reaper là. Moi je dois avoir 10k. Putain elle est increvable hein. Moi je vais me chercher des balles, j'en ai plus. Je remets juste un petit peu de balles dans les tourelles, celles qui ont beaucoup utilisé. Hop. Vas-y. Il y en a 500 dans chaque normalement, à peu près. Il y a un mana devant. Ouais. Plus de munitions. Il a pas pris le. Tu vois. Si, elle a un suivi là. Elle doit vraiment avoir pas beaucoup de points de vie là. Ouais, elle doit être très mal. Hein. Faut la fumer. Mais crève, saloperie!
Elle doit être très très mal, là, elle est vraiment au 100 maximum. De toute façon, même s'il la ramène là-bas, le temps qu'elle se heal. Ouais. Par contre, je vois les hits, mais je vois pas les dégâts. Pareil, ouais, c'est pareil. Trop loin, je pense. Ah, hors de charger pour moi. Ouais, pareil. Est-ce qu'il faudrait pas prendre un argi ou un truc et essayer de la bouffer quoi? Je sais pas. Non, après s'il la ramène vers ses tourelles. Ouais, je les vois, t'es hit. Ouais. Mais il meurt! C'est pas vrai ça! Putain, c'est hallucinant, après je fais que du 600. Bon, hein. Ah! Allez, yes. Nice! Ouais! Allez! Super. Il se fait taper, il se fait bouffer par un croco. Il est mort. Yes. Nice. Merci le croco. J'ai vu les hits, tu vois, c'est pour ça que c'est. Les hits, c'est ouais. Bien en PVP, ça l'a. Ouais, c'est. Je suis d'accord, c'est. Ça rend. Enfin. Ça rend le truc un peu trop cheaté, quoi. Bon, je vais juste aller recharger en munitions, là, parce que j'ai plus rien, moi. What? Leur mini base là. Ah ok, mais ils ont un Kraken. Mais pourquoi il y a un giga Kraken qui est sorti là? C'est à qui? C'est à Drake, ouais, c'est et à Ronan. C'est à... Ouais, c'est à eux. Ça, c'est ils sont en train, je pense, d'essayer de les défoncer. Ouais, mais ça fait pas de dégâts autour elle. Ouais, ils ont l'air plutôt en difficulté quand même, mine de rien. Ouais, pour l'instant, ouais. Hein. Les fameux alphas du serveur, ouais. Bon, là, on est à peu près à la moitié du raid, voilà, en termes de temps. Et ben, vous voyez qu'on se défend bien. En plus, il y a des alliés qui ont décidé de venir nous aider. Même si au début, je leur faisais pas confiance parce qu'ils disaient qu'ils voulaient nous raid. Mais bon, ils ont changé d'avis, ils nous ont aidés. Donc, l'alliance fonctionne. Et ça, c'est cool. Et vous voyez qu'on se défend quand même pas mal parce qu'on leur a fait tomber un roi des faucheurs. Ils ont essayé de pomper les balles de nos pods, ils ont pas réussi. Ils ont envoyé un trike, ils ont envoyé le roi des faucheurs qui est mort. Donc, ouais, la défense est plutôt propre. On les harcèle à coups de fusil, on leur tire dessus, on les fait reculer. On leur tire sur leur dino. Là pour l'instant ils y arrivent pas. Pourtant vous voyez que technologiquement ils sont quand même largement supérieurs à nous. Ils ont du tech, un transmetteur. Ils téléportent leur dino. Ils ont posé des tourelles heavy alors qu'on en a aucune quasiment. Donc voilà, première partie de la défense. Je vais pas tout vous mettre en une seule vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Et j'ai pas envie non plus de trop couper. Voilà, comme ça vous avez quand même ce final dans la quasi intégralité. Donc on se retrouve pour la suite très prochainement. J'espère que vous avez kiffé. Et moi tout ce qui me reste à vous dire c'est tchuss tout le monde.